Salut, c'est Fred, j'espère que tu vas bien. Bon, je suis dans le thème de la musique. J'aurais parlé de musique, mais ce coup-ci de solfège, le solfège sacré. Tu vois, je sais pas si tu connais. Il y a des fréquences comme ça qu'on dit sacrées, justement, qui ont un effet particulier sur notre corps, sur nos corps. Et donc, il y a des fréquences. Je t'invite à te renseigner là-dessus, ok? Tu peux taper hein, sur internet solfège sacré, et puis tu vas voir tout un tas d'explications. Voilà, l'histoire de la standardisation du 440 Hz, et puis d'autres fréquences derrière, comme le 432, comme une multitude d'autres fréquences, voilà, que j'ai pas forcément en tête. C'est très intéressant en fait d'écouter des sons justement qui sont basés sur ce solfège sacré parce qu'en fait ton corps rentre vraiment en vibration avec ces sonorités et ça permet de nettoyer, de libérer des charges, ça apporte vraiment des bienfaits surprenants. Je me rappelle en l'occurrence de cette femme qui avait depuis des années en fait des difficultés à trouver le sommeil, à se détendre, à dormir. C'était vraiment compliqué pour elle. Pendant des années, elle avait un sommeil de merde, tu vois. Et puis, c'est ma femme qui lui a recommandé de se poser de temps en temps, de faire des petites séances comme ça, juste de relaxation en écoutant des musiques en 432 Hz. Et donc, cette femme, c'est ce qu'elle a fait. Et à sa grande surprise, eh bien, elle a réussi à se détendre au point même d'arriver à trouver un sommeil vraiment profond et réparateur. Juste ça, tu vois, juste régulièrement de faire des petites séances de relaxation avec ce son, ça lui a permis de vraiment passer à autre chose. Et aujourd'hui, elle dort très bien. Voilà, ça va beaucoup mieux dans sa vie, tu vois, juste en écoutant de la musique. Tu vois, c'est un pouvoir de dingue. Et puis bon, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je t'invite vraiment à expérimenter la chose. Tu peux aussi faire des méditations hein, sur ce genre de choses. Moi, c'est quelque chose que je pratique régulièrement. Je me sélectionne un petit son comme ça sur une fréquence de solfège sacré. Et puis je suis en train de repasser devant les tas de bois là. Tu vois, ça me j'ai fait demi-tour. Je suis toujours dans ma forêt enchantée, et ils sont en train de dézinguer là. Et donc oui, je fais mes petites médites comme ça sur ces sons si particuliers, et ça transporte, c'est incroyable quoi. Ça fait vraiment un bien fou en fait. C'est hyper réparateur, hyper régénérateur, c'est dingue. Donc voilà, je t'invite vraiment à faire des recherches là-dessus, et puis. Expérimente par toi-même, comme d'hab, hein, me crois pas, teste, teste, et puis tu verras, vraiment, ça vaut vraiment le coup. Voilà, je mettrai dans le descriptif de cette vidéo un lien vers une chaîne YouTube qui propose des sons sur ces fréquences, et j'aime bien en fait ce que fait ce mec, je crois qu'il s'appelle Pierre. J'aime bien ce qu'il fait parce qu'en fait, il accorde tous ses instruments, tous les instruments qu'il utilise pour la création de ses sons, il les accorde vraiment sur ce solfège sacré. Donc voilà, c'est pas comme d'autres qui vont créer une musique et puis après qui vont la transformer, ils vont la modifier pour qu'elle soit adaptée à ses fréquences. Lui vraiment accorde chacun de ses instruments pour ensuite les utiliser et créer un son vraiment vraiment top quoi. Voilà, donc je te mettrai dans le descriptif le lien vers sa chaîne. Comme ça tu pourras tester faire cette expérience par toi-même. Voilà. Bon, eh bien écoute, je te souhaite de bonnes heures de méditation, voilà, et puis prends soin de toi, ose vivre ta vie, kiffe la vie à fond, ok? J'espère que t'es bien, que t'es heureux, que voilà. Ok, il y a plein de trucs qui se passent dans le monde en ce moment, mais ça n'empêche pas de vivre, de s'ouvrir. Ok, c'est justement le moment pour s'ouvrir, pour briller de sa lumière et être bien ancré dans son être, quoi. Ok, bon, allez, prends soin de toi pour de vrai. À la prochaine. Ciao.